Je suis Enda Diogène-Séni, je suis président de la Ligue panafricaine Mouja. Je suis actuellement à Lausanne pour animer une conférence avec le groupe Regard Critique et en même temps travailler avec la section de la Ligue panafricaine Mouja en Suisse. Oui, bonjour, je suis Hamza Boukari Yabara, je suis secrétaire général de la Ligue panafricaine. Cette question, c'est, en tout cas pour nous, c'est un mouvement de libération. Déjà par rapport à l'esclavage, ensuite par rapport au colonialisme, aujourd'hui par rapport au néocolonialisme. Qui dit mouvement de libération, dit libération globale, donc à la fois spirituelle et culturelle, bien évidemment, mais aussi économique et sociale, puisque nous travaillons cette idéologie à partir du sort particulier des populations africaines, celles qui ont été déportées en esclavage dans les Amériques et celles qui sont restées sur le continent. Et il se trouve que ce continent est le plus riche du monde en termes de ressources matérielles. Et c'est aussi un continent qui a prouvé énormément de spiritualité, de culture, de langue, de tradition, de civilisation. Donc c'est la nécessité aujourd'hui de se réunir politiquement parlant pour libérer tous les obstacles qui se posent en fait à la capacité des Africains de se réapproprier tout ce patrimoine extrêmement, extrêmement riche. Et pour faire simple, maintenant, d'un point de vue stratégique, le panafricanisme vise à mettre en place un système politique qui favorise ce qu'on appelle de manière un peu vulgaire les États-Unis d'Afrique, c'est-à-dire un État fédéral, dans lequel les questions de diplomatie, de monnaie, de défense, d'industrie, de développement seront gérées de manière globale pour le continent et la diaspora, dans le meilleur intérêt des populations et dans le cadre de l'intérêt général contre les forces réactionnaires et conservatrices. La démocratie est une modalité parmi tant d'autres pour gouverner les sociétés politiques. Le mot en lui-même peut des fois poser de problème, mais la gouvernance des sociétés n'est pas quelque chose qui est étrangère à la tradition africaine. Aujourd'hui, la démocratie, en tout cas la modalité de gouvernance des sociétés africaines, tourne autour de ce qu'on appelle la démocratie, surtout on met en tête la question électorale, ce qui n'est pas un enjeu simple dans la mesure où cet enjeu souvent occasionne des morts, des situations de crise perpétuelle. Et donc, il est question de réfléchir autour de cette modalité. Pourquoi quelque chose qui devrait en fait permettre une gouvernance beaucoup plus optimale des sociétés occasionne tant de dégâts. Est-ce que c'est la démocratie ou c'est la façon dont en fait, on appréhende cette façon de faire? Il se trouve que cette démocratie dans le cadre africain ne tient pas assez compte dans les revendications qui sont faites en son nom, ne tient pas assez compte de la particularité de l'histoire des Africains, qui est quand même une histoire qui est marqué par la question de la souveraineté. Il serait bon que la démocratie africaine prenne en considération la particularité, en tout cas l'histoire spécifique des Africains en ce qui concerne la souveraineté. Quand on dit souveraineté, ça peut comme ça donner l'impression que c'est un mot un peu vide de sens. Non, la souveraineté a un sens selon l'histoire particulière des peuples. En ce qui nous concerne aujourd'hui, nous souffrons de l'absence de contrôle, de maîtrise de ce qui constitue l'enjeu des problèmes d'instabilité politique, c'est-à-dire des ressources naturelles. Et donc, il faudrait que nos démocraties, au lieu de faire du fétichisme électoral, prennent suffisamment en compte cet élément qui est un élément qui perturbe la stabilité des populations. On ne peut pas gouverner aisément lorsque vous avez à chaque fois des instabilités chroniques,
liée au manque de contrôle de vos ressources. Entre autres, bien entendu, ce n'est pas le seul élément, le seul facteur qui rend la gouvernabilité des États africains difficile, mais c'est un élément très important. Un élément très important, et c'est pour cela qu'il faudrait souvent s'interroger. Est-ce qu'une démocratie prend suffisamment en compte ces éléments pour assurer la stabilité? Sinon, vous pouvez voter autant de fois, si vous n'avez pas le contrôle de vos ressources, si vous ne contrôlez pas ce qui constitue l'élément principal du convoitise des puissances qui viennent créer cette instabilité, la démocratie ne va pas régler le problème de développement. La démocratie, c'est un concept tel qu'il est exposé aujourd'hui, qui a été amené par la colonisation, en tout cas sous sa forme telle qu'on la connaît actuellement. Ce qu'il faut connaître, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons des sociétés qui ont toujours fonctionné dans le consensus, qui ont toujours fonctionné dans le dialogue, soit on réunissait les habitants par tel type de catégorie, tel type de classe d'âge, ou sexe ou autre, on les faisait échanger entre eux au niveau de chaque classe, de chaque catégorie. Et ensuite, tout le monde se retrouvait et décidait ensemble. Donc, de ce point de vue-là, c'est une forme de démocratie directe, une forme de démocratie populaire qui peut être intéressante à repenser. Le problème aujourd'hui, c'est que la démocratie telle qu'on la voit en Afrique, elle sert principalement à capter des ressources. Elle sert principalement à former des élites bourgeoises, compradores, qui ne servent pas les intérêts des populations. Par conséquent, le sens du mot démocratie, donc le pouvoir du peuple, aujourd'hui n'existe pas en tant que tel. Ensuite, la démocratie ne se limite pas aux seules élections, c'est quelque chose de beaucoup plus global, c'est un système, un état d'esprit. Et l'Afrique a beaucoup trop connu la domination coloniale, l'oppression coloniale, pour rentrer, je dirais, de manière un peu naïve dans cette démocratie occidentale. Donc il faudrait, je pense, repenser les choses en sachant que les formes de dictature non plus ne sont pas des modèles intéressants. Je pense que ce n'est pas parce que quelqu'un mènerait une bonne politique qu'il devrait rester éternellement au pouvoir. Nous avons beaucoup d'hommes et de femmes qui sont compétents dans le pays et je pense que même si quelqu'un fait des choses bien, on peut trouver d'autres personnes dans le pays qui peuvent faire les choses aussi bien, voire même mieux. Donc je m'oppose aussi à ceux qui disent que du moment que quelqu'un gère bien le pays, voilà, on le garde. C'est beaucoup plus compliqué, je pense. Bon. Merci. Mais ça pose le problème des défections. Des défections en général, c'est-à-dire quelqu'un qui devient traître, ça veut dire qu'il y a une défection qui a été faite, non assumée, qui reste parmi les autres et qui finalement devient un agent ou bien qui trahit en fait la cause en général. Donc d'abord, il y a une défection à la base. Quand il y a défection, la première chose à se demander, est-ce que les convictions étaient sincères? Ça, c'est difficile à manger. J'ai eu plusieurs fois ce type de questions venant des militants qui expliquaient que comment on peut faire pour contrer et tout ça. Bon, la défaillance, elle est humaine, mais en même temps, si on devrait s'assurer d'abord de la formation, parce que c'est la formation. En fait, plus on a un degré élevé de conscience historique, de conscience politique, moins on est exposé à la défection et à la défaillance. Ça, c'est vraiment fondamental. On peut beau mettre des mécanismes en place, mais la première assurance, c'est quand même cette profondeur des convictions politiques, des convictions historiques, de l'amour indéfectible pour la patrie africaine, ça, c'est fondamental. Si ce n'est pas assuré, on peut mettre des systèmes que certains appellent les systèmes comment on appelle ça, liés par le sang, par je ne sais pas quelle autre modalité, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir de défaillance. La première vraiment sécurité pour un mouvement politique, ce sont des idées que les militants soient la façon la plus aiguë et profonde formée pour que leur capacité, leur potentiel de conviction ne vacille pas à la moindre situation. Ça peut être des conflits entre militants, ça peut être des tentations externes à l'organisation. Tout ceci peut faire que
voilà, on peut, il faut que nous augmentons à chaque fois, et chacun, personne n'est à l'abri, quel que niveau que ce soit, se remettre en question, affermir, réaffermir en tout cas notre conviction dans la lutte, c'est ce qui fait que nous allons éloigner les possibilités de plus en plus de défection. C'est Cabral qui parlait de cette fameuse, de ce cancer de la le cancer de la trahison, dans son fameux discours à la mort de au décès de Kwame Nkrumah. Et c'est fondamental de comprendre que la question de la profondeur de nos convictions est d'abord le premier stade que nous devons atteindre avant d'envisager telle ou telle modalité. Et évidemment, vous avez bien compris que s'il y avait des modalités discrètes, on ne peut pas le dire dans une interview pour dire que voilà, on va contrer telle ou telle façon pour ne pas trahir, quoi. Mais on ne peut pas le dire dans une interview, bien entendu. Pour la Martinique, il y a un noyau, il y a des militants panafricains, il y en a. Maintenant, la lutte en Martinique est complexe parce qu'elle est directement vis-à-vis de l'État français, vis-à-vis d'une société profondément coloniale, aliénée. Donc il y a quand même des gens qui se battent. Récemment, il y a eu un convoi de Martiniquais qui a fait le retour à Gorée. Bon, ils ont choisi un lieu que personnellement je déplore, vu la manière dont il est géré et l'inauguration récente de la place de l'Europe. Néanmoins, ça montre bien l'attachement d'une partie des Martiniquais pour l'Afrique. Maintenant, il faut savoir que quand même la majorité du peuple martiniquais est empêtrée dans des problématiques, on va dire, franco-martiniquaises. La question de chlordécone, donc l'empoisonnement des terres, la question de la vie qui est chère, des problématiques liées au fait que les lois françaises sont parfois largement inadaptées au terrain local, des enjeux de politique locale. Bref, il y a beaucoup de problématiques qui font que la question de l'Afrique, du panafricanisme, n'est pas celle qui domine bien évidemment l'actualité de la vie martiniquaise, mais dans les milieux militants, on en parle, on en discute. Également des relations entre la Martinique et la Caraïbe, notamment Cuba et d'autres territoires comme le Venezuela qui sont en train de bouger actuellement. Donc il y a des choses qui se passent en Martinique et je pense que ça va encore s'amplifier dans les prochains mois. Quant au Bénin, d'où je viens, bon, ça fait quand même 2 mois maintenant. Bon, le Bénin, c'est vraiment une étape réussie, une belle étape réussie. Il faut rendre hommage à nos frères, à nos sœurs du Bénin, qui ont pris le flambeau de la Ligue panafricaine Moja sur place, qui sont relativement bien organisées. C'est quand même un travail, un aboutissement. Je rappelle que notre organisation a pour ambition de s'implanter sur l'ensemble du continent, avec des moyens propres, notamment de subventions, ni de financement de personnes. C'est le secrétaire général Hamzat qui, d'ailleurs, avait fait un travail en amont dans ce territoire. On a eu des difficultés, comme nous en avons souvent, ça peut arriver dans plusieurs sections, et là on était même parti sur des difficultés assez graves, mais bon, il était confiant dans le travail qu'il avait fait de base, et après la machine est repartie, mais il faut surtout rendre hommage aux militants qui sont sur le terrain. Ils ont un siège, ce siège est à la fois le siège de la section au Bénin, mais c'est aussi le siège fédéral. Il est bon de dire, d'informer ceux qui nous écoutent que la Ligue panafricaine Moja a un siège politique fédéral sur le continent africain. C'est notre premier siège que nous avons ouvert. Et de ce point de vue, le Bénin est assez exemplaire. Ils ont fait un travail dans l'ensemble du territoire. Je suis parti pour 3 jours. Les militants sont venus aider tous les départements. Dans 3 jours, nous avons fait des conférences, nous avons fait des formations. Nous avons été jusqu'à Lomé d'ailleurs. Pour aller aider, discuter avec les panafricanistes qui sont sur le terrain. Mais en tout cas, pour le Bénin, pour toute la Ligue, chaque militant, à quelques endroits où se situe, doit être content de cette belle réalisation. Ce qui donne aussi, on va dire, pour les autres sections territoriales, les raisons de dire qu'on peut
arriver à ce niveau où se trouve le Bénin. Ce n'est pas encore parfait, c'est fragile comme toujours, mais il faut renforcer et chaque étape est une réussite.